raconté l'époque d'Internet de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas l'époque. On ne googlisait pas, on licossait sur l'icos. On se donnait rancard le soir sur MSN pour s'envoyer des whiz. Les téléphones n'avaient pas de 4G, c'était des téléphones pour téléphoner. C'était l'époque des connexions pourries, et il y avait des boules dans nos souris. Il n'y avait pas Tinder, ni même Adopte un mec. Du coup pour pécho, on chattait sur Caramel ou sur Voila.fr. On avait des pseudos mais pas de photos de profil. Pour se rencontrer en vrai, c'était difficile. C'était l'époque où quand tu surfais, tes parents ne pouvaient pas téléphoner. Ni Deezer, ni Spotify. C'était le temps de Winamp. La moyeur Morpheus ou Ilanke, chez Raza ou Kaza. Télécharger un film en 3 semaines sans break. Une fois sur 2, on tombait sur un fake. À l'époque, on avait des disquettes. On allait sur le net avec Netscape. Pas de Wikipédia, on consultait en carta. Internet, c'était pas très connu, et en particulier par les profs du Bahut. Pour les exposer, on pouvait copier-coller sans se faire gauler. C'était l'époque où on gravait des CD vierges, un peu comme ma verge. Il n'y avait pas YouPorn, X-Video ou X-Hamster. Les sites pour adultes étaient un peu nuls, il n'y avait que des images. Avec la connexion, le chargement était si long que bien souvent on kiffait sur un chignon. C'était l'époque des téléphones fixes, au petit déjeuner ou manger des kicks. Il n'y avait même pas eBay, certains se souviennent de eBazaar. Avant, tout le monde trouvait ça stylé d'avoir une page MySpace. Avec Tom, on était tous amis, ce mec n'avait qu'une seule photo de lui. C'était l'époque d'Internet d'avant, Internet d'avant, copain d'avant. Pas de Nyan Card, avec Hugo on commençait les vidéos. À l'époque, et pas de Nabila, nous y avait des vrais buzz, madame. Y avait Star Wars, Killa, Pro Ninja, Keyboard 4, Jibbuk et bien sûr Kamini. Je n'ai pas de la cité, mais